des essais qualitatifs de quels cations dans le zoo. L'expérience a été divisée dans les sections suivantes. Objectif, introduction, matériel et réactif, méthodologie et résultats. L'objectif consiste à identifier la présence de quelques cations dans un échantillon d'eau. L'introduction. L'état qualitatif d'une eau est basé sur l'ajout de quelques réactifs capables de mettre en évidence ces ions constituant à travers de ces réactions qualitatives. Et en réalisant rapidement une analyse préliminaire de l'eau. Les matériels à utiliser sont les suivantes. Grilles et des tubes d'essai, des pinces en bois, un entonnoir en verre, une pipette automatique, un papier roll de filtre, l'eau distillée et des échantillons d'eau, c'est un problème. Les réactifs. Pour la recherche de calcium, on utilise une solution d'un chlorure d'ammonium à 10%, un hydroxyde d'ammonium et une solution d'oxalate d'ammonium saturé. Pour la recherche de magnésium, les réactifs à utiliser sont une solution de phosphate sodique à 10%. Pour la recherche d'ammonium si normal, utiliser un hydroxyde d'ammonium et la réactive de Nestlé. Et pour la recherche de potassium, 3 normal, utiliser un acide acétique et une solution de cobaltinitrite sodique. La méthodologie. Pour la recherche de calcium, nous prendrons 5 ml par l'eau à analyser. Ajouterons quelques millilitres d'une solution de la chlorure d'ammonium à 10%. Quelques millilitres d'hydroxyde d'ammonium. Un léger excès d'une solution saturée d'oxalate d'ammonium, la formation d'un précipité blanc cristalline dénote la présence de la cation. Une recherche de magnésium, la précipité de l'essai de calcium s'infiltrera et en reprenant le liquide filtré dans un tube d'essai. On ajoute à quelques gouttes de ce filtrage que quelques millilitres d'une solution de la phosphate gelée donnée sodique à 10 ml. L'apparition d'un précipité blanc cristallin dénotera la présence de magnésium dans le cas dont l'essai antérieur, la présence de calcium ne avait pas détecté dans le même tube dans lequel on a essayé. Le calcium de diphosphate sodique sera additionné sans la nécessité de filtrer. Une recherche de potassium, on prendra 5 ml de l'eau problème et 3 normaux, additionneront quelques gouttes d'un acide citique pour acidifier légèrement la solution. Ensuite,
quelques millilitres de la solution sont additionnés cobalt nitrite sodique, l'apparition d'un précipité jaune cristallin nous indique la présence de potassium. Une recherche d'ammonium dans un tube d'essai propre avec l'eau distillée pour éviter les interférences, quelques millilitres de l'eau se mettent à analyser, 5 normaux s'ajoutent. S'ajoute 4 ou 5 gouttes d'hydroxyde sodique et ensuite environ 3 ou 4 gouttes de réactif Nestlé. L'apparition d'une couleur de précipité qui ira de la couleur jaune au brun nous indiquera la présence de plus grande ou moins quantité d'ammonium. Les résultats seront positifs dans le cas de la recherche de calcium si un précipité blanc cristallin est défini. Dans la recherche de magnésium, l'apparition d'un précipité blanc cristallin dénotera la présence de magnésium. Dans la recherche de potassium, le précipité formé est d'une couleur jaune cristalline. Et dans la recherche d'ammonium, l'apparition d'un couleur ou de précipité qui ira du jaune au brun nous indiquera la présence la moindre ou plus d'ammonium.